Bidouilleur, bidouilleuse, salut, j'espère que ça va bien en hein, ce dimanche le 18 mars, je crois bien. Euh, bien, euh, bonjour, bienvenue à cette septième session euh, live euh, en direct de l'électro-bidouilleur. Je vois que le, le chat est déjà actif. Euh, ne vous. Euh, euh, n'allez pas trop vite avec euh, les questions. Euh, puisque je vais d'abord faire un peu de, de cuisine avant de passer à, aux réponses aux questions. Donc, euh, je vous me dirai dès que possible comment, euh, comment se trouve euh, le son et l'image. Euh, je vois quelqu'un qui dit que le son est moyen, un peu fatigant. Alors, j'ai je, 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 de la difficulté à vous suivre. Est-ce est que c'était la musique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous me direz comment vous, euh, vous trouvez l'ensemble. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi... Euh, euh, je suis affligé par un, euh, un virus qui m'a euh, frappé, euh, qui m'affecte tout le système. Donc, euh, j'espère pouvoir être assez fort pour euh, euh, faire de l'administration général, généralement d'une heure. Là, mais si vous euh, voyez que je vous laisse avant, avant le temps, ben, vous comprendrez pourquoi. Je ne suis pas en, en top euh, santé euh, aujourd'hui. Alors, euh, bon, d'accord pour le commentaire sur le son, merci. Merci pour euh, le son. Euh, et l'image, présumément correcte aussi. Alors, euh, je fais ça le dimanche, j'espère que ça vous plaît comme cela. Euh, ça pourrait être le samedi aussi, mais moi, je ne peux jamais décider bien bien à l'avance quand, parce que j'ai d'autres occupations. Euh, des fois, je dois voyager, les fins de semaine, ça, ça m'arrive, aller dans la famille ou... J'ai d'autres activités qui me contraignent. Euh, donc, euh, je dois choisir. Et évidemment, compte tenu du décalage d'heure, ben, c'est toujours un peu difficile pour moi. Je ne peux pas faire ça le soir. Je travaille le jour. Je ne peux pas faire ça la semaine. Donc, le soir, ça serait trop tard pour vous. Donc, je pense que la fin de semaine, je choisis le dimanche habituellement. C'est une journée un peu plus tranquille pour la plupart des gens. Le samedi, c'est plus... Euh, ouh, on bouge. Donc, euh, j'espère que vous appréciez le le... le, le, le le temps et, et, et la date. J'essaie de faire une live, une session live en direct, là, donc une fois par mois environ. Alors, euh, ma chaîne approche les 13 000 abonnés, et euh, ben, ça va vite hein, quand même. Je veux vous remercier, euh, puis je vous euh, demande de, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Si vous me regardez, mais vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Je, je produis une vidéo cinq 5 à 6 jours, une vidéo toujours technique, 99 du temps. Euh, et puis je fais des sessions live aussi euh, une fois par mois. Donc, euh, ça peut être une bonne source d'information pour ceux qui font du bidouillage en électronique. Je touche à peu près à tout. Et euh, donc, euh, ça couvre un, un large spectre qui peut faire plaisir à, à bien des gens. Euh, donc, euh, abonnez-vous et partagez ceux qui sont abonnés. Je ne, ne vous gênez pas de partager euh, le lien avec euh, les autres euh, que vous connaissez. Pour euh, grossir, j'aimerais beaucoup atteindre le 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Peut-être plus. Qui sait, ça serait intéressant. Euh, je vous remercie pour tous les mots d'encouragement que vous me fournissez, euh, soit en rétroaction à mes vidéos, dans les commentaires, soit sur Facebook, soit même par courriel. C'est toujours très apprécié, je vous remercie beaucoup. Euh, et euh, bien sûr, il y a les, y a les dons, euh, c'est toujours ça aussi très apprécié. Euh, évidemment, je, je ne peux pas... Je, je, J'apprécie tous les dons que vous me faites, euh, que ce soit par euh, PayPal ou par euh, directement sur Patreon. Euh, ça me permet de me payer toutes les petites choses. Euh, que, euh, donc, ça me motive à faire plus de vidéos techniques sur des sujets qui vous intéressent. Et souvent, ben, vous me demandez pour bon, ben, pourrais-tu faire une vidéo sur bon par hasard, je viens de voir passer le STM 32, ce que j'ai déjà fait. Si vous cherchez dans ma liste de vidéos. Mais bon, ça veut dire, bon okay, une dépense, il faut que j'achète un STM32. Euh, donc, naturellement, les dons que vous faites m'aident beaucoup euh, à continuer euh, mon effort sur la chaîne. Il y a aussi le fait euh, qu'il y a des, des coûts qui sont encourus par rapport à, mon Dieu, euh, les noms de domaine, euh, site web, euh, l'équipement de production et ainsi de suite. Là. Donc, euh, c'est toujours bien apprécié. Je vous remercie. Euh, et je, pour terminer sur le sujet, je ne vais pas m'étendre inutilement, mais il, y a, il y a, je vous offre par Patreon ou par directement sur Paypal. Il y a aussi une possibilité que je rajoute que Tipeee, T-I-P-E-E-E, 3 E, -E, -E 3E, un peu spécial, mais quand même. Euh, si jamais euh, ça vous intéresse, euh, ben vous pouvez me laisser savoir euh, si c'est pour vous euh, motiver à faire un, euh, un autre don, si vous voulez, là, bien... Euh, Peut-être que Tipeee pourrait vous rendre plus euh, service. C'est plus axé sur européen, je dirais. C'est en français aussi. On choisit la langue. C'est peut-être plus optimisé pour l'Europe. Donc, euh, peut-être que ça pourrait plus faire votre, votre bonheur d'utiliser Tipeee plutôt que Patreon, qui est américain. Donc, vous me laisserez savoir, soit dans le chat ou autrement. Et puis, j'ouvrirai un compte. Je ne veux pas en ouvrir un si, si ça n'aura aucun impact euh, pour rien, là. Donc, euh, ça, c'est euh, les affaires de cuisine. Là. Et, euh, ah oui, aussi, je voudrais vous mentionner, je l'ai déjà dit dans les autres sessions, mais je vais le répéter. Euh, je reçois beaucoup, euh, je reçois plusieurs questions techniques, et de plus en plus, à tous les jours, des questions des gens qui ont besoin d'aide. Et, euh, je, avec raison, euh, les gens ont besoin d'aide, et je comprends ça que les gens ont besoin d'aide. Ils sont coincés sur un problème technique qu'ils ont. Mais je ne peux plus offrir, pratiquement plus offrir du support euh, personnalisé, ce n'est plus possible. Je reçois peut-être une dizaine, une douzaine de questions, euh, si ce n'est pas plus, à tous les jours. Et euh, ben, si je me mettais à répondre à toutes les questions, je ne mettrais plus de temps dans euh, la production de vidéos. Parce que, je vous rappelle, c'est un hobby, hein? c'est un passe-temps pour moi. J'ai un travail de jour, donc... Euh, euh, pour moi, ça devient presque impossible de répondre aux questions. Donc, ne vous offusquez pas si je ne vous réponds pas ou si je vous réponds ou je vous renvoie au, au, au forum Électro-Bidouillard où il y a plus de 500 inscrits qui peuvent peut-être répondre à vos questions. Là. Donc, il euh, faut que je fasse la mise au point parce que le nombre de questions continue à augmenter sans cesse. Ces derniers temps, c'est presque étourdissant. Et ça me fait un peu mal de ne pas pouvoir répondre, mais écoutez, là, il y a juste 24 heures dans une journée. OK, une autre petite chose que je veux vous mentionner, c'est ce qui a à venir sur euh, la chaîne électro euh, les prochaines vidéos. Après ça, je vais passer aux questions. Il euh, y a euh, une petite série, évidemment, la série de mini-modules. Euh, le prochain euh, euh, mini-module que je vais couvrir, c'est euh, un, une horloge en temps réel. Donc, c'est un petit, euh, une petite plaquette sur laquelle il y a euh, la puce DS1302 et une pile aussi. Donc, euh, je vais vous tout, vous expliquer c'est quoi un horloge en temps réel, mais je peux vous montrer déjà. J'ai la petite plaquette ici qui est en fonction, je suis en train d'utiliser euh, et puis euh, avec un Arduino Uno ici juste à côté. Puis j'étais justement en train de travailler, on voit ici les, euh, les bits qui passent sur euh, la communication série. Euh, et puis, euh, bien, je, je peux même vous montrer euh, ce que j'étais en train de faire ici. Euh. Voilà. Alors vous avez ici euh, justement l'heure qui est retournée deux fois par seconde, la date et l'heure, euh, qui est lue par l'Arduino euh, sur la plaquette. Donc vous aurez deviné qu'une horloge en temps réel, c'est une horloge qui, va, qui donne l'heure et la date et qui va continuer de fonctionner même quand on éteint l'alimentation. Parce que le, la plupart des microcontrôleurs n'ont pas d'horloge en temps réel. Donc euh, c'est l'avantage d'avoir une petite plaquette comme ça. En tout cas, j'y reviendrai. Et euh, ça pourrait être... Euh, Intéressant pour vous, là, rajouter, surtout ceux qui font de l'archivage et qui de la sauvegarde de données sur des cartes SD, puis ces choses comme ça, là, à partir d'un Arduino, d'un Raspberry Pi ou autre, là, euh, vous pourrez utiliser ça pour vous donner une heure et euh, une date précise. Alors, je reviens ici. Ok, alors ça, c'est une des vidéos que je vais couvrir bientôt. Euh, des petits convertisseurs CC, CC aussi, convertisseurs d'alimentation, Buck et Boost, donc qui abaisse, qui élève la tension. Je vais faire une vidéo sur ces petites plaquettes-là. Euh, j'ai aussi commandé une interface de carte SD pour Arduino. Comment lire puis écrire sur une carte SD insérée dans ces petites plaquettes-là. Donc, ça sera quelque chose d'intéressant à couvrir aussi. J'ai aussi commandé un détecteur de proximité par ultrason. ultrason. Euh, donc, proximité et mesure de distance aussi. Vous avez peut-être déjà vu ces plaquettes-là. Il y a comme un émetteur et un récepteur rond sur une petite plaquette faite sur le long. Là. Alors, j'ai commandé ça aussi. Alors, euh, il y a aussi euh, une vidéo d'introduction au cerveau moteur que j'ai complétée, qui est prête, que je vais publier d'ici quelques semaines. Et euh, donc, j'avais fait une couverture des vidéos, euh, une couverture des moteurs pas à pas déjà euh, il y a quelques mois à l'automne. Donc euh, là, je vais couvrir la partie cerveau moteur. Pour moi, c'est nouveau, j'avais jamais touché à ça. Donc, euh, je vais vous montrer ce que j'ai découvert sur les cerveaux moteurs. Je vais peut-être aussi faire une cinquième vidéo sur euh, LT euh, comment euh, Comment faire des sous-circuits qui vont se résumer à un bloc dans un autre circuit. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire lorsqu'on utilise le même bloc à plusieurs endroits. Euh, j'ai une autre vidéo que j'ai faite sur euh, mes 10 accessoires les plus utilisés dans mon labo. C'est euh, une vidéo humor humoristique en même temps qu'il y a du contenu. Là. Et euh, ben, je ne parle pas des accessoires courants comme un tournevis étoile, puis des pinces. Euh, allons là la deuxième classe d'accessoires que je me sers à presque toujours. Je vais vous donner un petit, euh, une petite puce à l'oreille, par exemple, une lampe loupe. Okay, alors, je couvre ça. Ben, il y en a de, de ces genres d'accessoires-là là, que je vais couvrir, là, le top 10, si vous voulez. Euh, j'ai aussi soudé, euh, j'ai essayé et j'ai réussi, tant bien que mal, à souder un boîtier euh, de puce QFN-20. QFN-20, là. C'est 20 contacts plus, plus le ventre, 21 contacts. Euh, et ça a 4 mm par 4, 4 mm, par 4 mm la, la puce. Donc ce n'est pas gros. Et j'ai réussi. Et euh, je vais vous montrer euh, ce que j'ai fait comme technique. Euh, C'est plus ou moins beau à voir. Euh, et évidemment, plus je vais en faire, mieux ça va s'améliorer. Mais ça a quand même fonctionné électriquement. Euh, ensuite, le LM317, il y a quelqu'un qui, euh, sur, un forum de discussion, sur le forum électrobidouillard, qui avait posé cette question-là, que j'ai trouvé que c'était intéressant de l'amener. Le, le fameux régulateur variable LM317. Euh, comment augmenter son courant de sortie plus loin que le, le 1,5 ampère là, maximum dans les meilleures conditions euh, qu'il peut produire? Donc euh, ça, ça va être euh, une vidéo que je j'ai déjà tournée et je vais la publier euh, aussi. J'ai commandé une plaquette ESP32. L'ESP32, le c'est processeur avec, euh, un microcontrôleur avec euh, un, le, la Wi-Fi et le Bluetooth intégré dedans. Pour moi, ça sera une découverte, je n'ai jamais touché à ça. Donc, je vais faire une vidéo de découverte sur le l'ESP32. Il y aura peut-être d'autres bancs d'essai là-dessus. Il faudra peut-être que je commande. Euh, des pièces euh, d'instruments et autres, si je veux faire des bandes d'essai, parce que présentement, j'ai épuisé mon stock de pièces. Et il y aura évidemment d'autres sessions live une fois par mois, comme prévu. OK. Alors, euh, je vais passer aux questions. Euh, je vais euh, aller regarder maintenant le... les questions qui, qui déroulent. Je vais remonter un peu le, le chat, parce que j'en je, ai vu quelques-unes qui sont passées dont une même avant que je sois en onde. Euh, quel atténuateur peut-on monter à la sortie d'un haut-parleur quand un ampli de la sortie du haut-parleur? Quand un ampli de 80 watts n'a pas de sortie euh, casque? OK, alors, vous voulez brancher des, un casque d'écoute sur les, les bornes de haut-parleur. Alors, euh, en partant, on parle d'une impédance généralement qui est de 8 ohms à la sortie des haut-parleurs. Et l'impédance des casques d'écoute varie beaucoup euh, d'un casque à l'autre. Donc ça, c'est peut-être un, peut un c'est un, peu, un peu le point d'interrogation. Euh, moi, j'ai des écouteurs ici qui ont des haut-parleurs 8 ohms. J'en ai d'autres des écouteurs qui ont 32 ohms d'impédance. Il y a des écouteurs de plus de 1000 ohms d'impédance. Donc tout ça, ça va faire que le niveau sonore va être plus ou moins élevé et ça va avoir un impact plus ou moins grand sur euh, euh, sur la qualité de l'audio. Mais je vous dirais en général que vous, vous allez devoir terminer vos haut-parleurs avec au total 8 ohms de résistance, avec une puissance suffisante. J'imagine que vous n'allez pas monter le volume très très fort, vous n'aurez pas besoin. Mais quelques watts, peut-être des résistances de 2 watts, au total, vous pourriez faire un diviseur résistif, genre 1 ohm, 7 ohms ou 1 ohm, 8 ohms, ça donnerait 9 ohms. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement, exactement 8 ohms. Euh, donc peut-être un ohm et dix ohms, quelque chose comme ça, ou bon un rapport de résistance entre les deux bornes et vous allez vous brancher avec votre casque sur le côté le plus euh, petit en résistance pour faire pour atténuer si vous voulez le signal. Ça pourrait être une façon de se brancher. Je vous avoue que moi je préférerais certainement y mettre un circuit actif avec un ampli opérationnel qui lui bon, ramasserait le signal une fois terminé avec une résistance de huit ohms et amplifierait un petit peu ou en tout cas pourrait même atténuer à, à la rigueur et enverrait ça euh, directement dans le casque d'écoute. À mon avis, ce serait la meilleure façon avec un ampli opérationnel euh, de bonne qualité. Alors voilà, ça c'est la première question qui a été euh, cassée. Euh, bon, alors euh, je vous remercie pour tous les bons commentaires, les merci, les bonjours. Salut Pascal, ça va bien, merci d'être là. J'ai vu aussi ton, ton petit message sur le forum. Et, euh, bon, j'aimerais savoir où je pourrais m'acheter des outils de, 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 pour l'électronique dans Paris. Eh bien, euh, les gens sur le chat vont peut-être vous répondre, mais pas moi. Moi, je suis euh, père d'Ottawa au Québec, au Canada. Donc, je ne connais pas les vendeurs d'outils en France, malheureusement. Alors, euh, bon, je continue. Euh, Est-ce que vous pouvez faire des tutos sur le STM32 Bien, Je vous l'ai mentionné tantôt, j'ai fait une introduction ou une découverte au STM32. Si vous allez sur ma chaîne Electro et que vous cherchez le mot STM32, 5 lettres, vous allez trouver la vidéo en question. J'ai pas le numéro de la vidéo, j'en ai fait plus de 200 là, je ne les ai pas en mémoire, mais c'est peut-être dans les... Oh, je risquerai pas de numéro, <laughs> je ne pas risquer. Donc, euh, allez voir euh, en cherchant mes vidéos là, euh, sur euh, la chaîne Electro Vous allez la, la trouver. Ça, c'est un bon départ. Ensuite, j'ai utilisé le STM32 dans quelques autres projets. Si vous regardez les projets de construction que j'ai faits, j'ai utilisé le STM32 aussi. Si vous regardez les, euh, des vidéos sur le proto les protocoles série, j'en ai fait plusieurs, I2C, SPI, tout ça. Certaines de ces vidéos-là utilisaient le STM32 aussi. Donc, au total, ça couvre quand même le STM32. J'utilisais le STM32 F33C8, une petite plaquette à 40 broches qui se branche dans une plaquette sans soudure. Je n'ai pas utilisé une plaquette de développement fabriquée par STM, par contre. Okay. Bon, alors... Euh... Bon, je passe les commentaires sur le son. Je suis un petit peu étourdi. J'espère que ça va, se, ça va se, se placer. Je vous le dis, je suis affecté aujourd'hui. Je vais regarder, m'assurer que tout est toujours bon. Oui, le live, tout est correct. Alors... Bon, si jamais il y a des trolls qui... Euh... Qui cause des petits troubles, je vais essayer d'intercepter cela et euh, je vais éliminer les usagers tout simplement sur le chat. On a eu un petit problème le mois dernier et je vais garder l'œil là-dessus. Bon, je vois que Mathieu dit Tipeee, c'est très bien. Alors, euh, au moins, il y en a un qui, euh, qui, ça, qui trouve ça bien. Alors, peut-être que je verrai, étant donné que moi, ça ne me, me coûte rien de m'inscrire à Tipeee. Évidemment, euh, il y a des frais de votre côté avec Tipeee, ce qui n'est pas le cas avec Patreon ni PayPal. Il y, a des, il y a des petits frais de votre côté et il y aura des frais de mon côté aussi. Mais si ça vous accommode, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Bon, alors, il y en a un là qui euh, semble faire euh, des, euh, des petits commentaires un peu, euh, un peu ridicules. Alors, je vais tout simplement l'éliminer. Alors, euh, au revoir. Et euh, bon, tous les messages de cet usager-là ont été supprimés. Alors ça, c'est un problème qui est réglé. Euh, les triacs dans Healthy Spice. Euh, tout ce que j'ai essayé ne fonctionne pas. Ah, j'ai jamais essayé des triacs euh, dans Je J'ai pas joué souvent avec les triacs, peut-être à quelques, deux ou trois reprises dans mes trente et quelques années là, de, de bidouillage. Euh, donc c'est pas, euh, pas une pièce que j'ai tendance à utiliser beaucoup. Euh, je n'ai. Donc j'ai jamais essayé, mais... Euh, Ouais. C'est pas une pièce qui est pourtant très compliquée euh, électroniquement parlant. Là. Donc, euh, le modèle devrait être assez simple à, à utiliser. D'ailleurs, je crois qu'il y a un triac qui est déjà défini dans LTSpice comme pièce et puis on peut en, en choisir à ce moment-là. Alors, euh, vous n'avez pas à l'ajouter à ce moment-là. Mais il faudra l'essayer. Je, je ne l'ai pas essayé malheureusement. Euh, comme ça, là, je ne euh, je, 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 je peux pas vous dire. Euh, euh, comment, comment le faire rapidement surtout pas comme ça sur le live. Je me suis presque euh, trompé mais ouf j'ai donné la bonne heure. Je sais que en Europe vous changez l'heure la fin de semaine prochaine et j'ai eu peur qu'aujourd'hui ça soit le cas et donc j'avais annoncé 19 heures en France mais ça aurait été 20 heures donc non euh, je crois que c'est seulement la semaine prochaine donc je suis sauf pour cette fois-ci je me suis pas euh, trompé donc euh, je me suis presque tombé là. Là, là j'aurais un peu... Je sais que vous regardez toujours l'heure UTC, là. C'est vraiment la référence. Et faites le calcul pour vous-même. Vous êtes des gens qui vous intéressent à la, à la technique. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué de savoir que vous êtes à UTC plus 1 ou UTC plus 2, dépendamment de l'année, comme nous, ici. On est à UTC moins 5 ou UTC moins 4. Alors là, on est à UTC moins 4 depuis une semaine. Bon, euh... Alors, euh, bonjour de Bretagne, bonjour. Euh, bonjour, quel oscilloscope utiliser le moins cher pour visualiser le signal d'un codeur 6000 points Qu'est-ce que c'est un codeur 6000 points Je vous avoue que je ne vois pas là. Un codeur 6000 points. Un encodeur. Ça dépend du débit, essentiellement. Euh, si euh, ça dépend du nombre de bits qui passent par seconde. Alors, euh, si c'est lent comme débit, un oscilloscope que 100 kHz pourrait faire le travail. Mais moi, je ne recommande pas d'acheter de, des oscilloscopes de très très bas coût, qui n'ont pas une bande passante euh, qui rencontre au moins 5 à 10 MHz. Euh, moi, je, je considère que vous perdez votre temps, et quand vous allez grossir, dans vos projets, vous allez aller un petit peu plus, euh, et plus rapide en fréquence. Bien, votre, oscilloscope, votre oscilloscope ne répondra pas aux besoins. Donc, euh, allez-y plutôt pour un oscilloscope d'au moins 10 à 20 MHz. Et il y en a des vraiment pas chers, à moins de 100 Des oscilloscopes USB qui feront le travail, même malgré leurs petits défauts, ils feront le travail quand même. Alors, c'est vraiment le moins cher, là, euh, 50, 60 dollars, euh, vous en aurez là, qui vont faire le travail assez bien pour ce genre de vitesse. Là. Je présume que ce n'est pas très, très rapide. 6 000 points, c'est-tu 6000 points par seconde Je ne le sais pas ici, je vous avoue bien, franchement. Alors, euh, salut, as-tu déjà utilisé les walkie-talkies de chez euh, Baofeng, le UV5R Je ne euh, sais pas si le 5R ou le 7R que Vincent, mon fils, a. Il en, il en a un. Euh, pour rester en compa contact avec la famille sur la bande 446, est-ce fiable sur une distance de 10 km Merci à toi. D'abord, je présume que vous êtes radio amateur, sinon euh, vous êtes illégal si vous faites cela. Okay? Euh, tout ce que je vois, c'est que lui, le nom d'usager, c'est HDY46, qui ne sonne pas comme euh, un indicatif radio. Donc, je vous le dis, vous devez être radio amateur, licencié, sinon euh, c'est illégal ce que vous faites. Sinon, euh, 10 km euh, avec les petites antennes caoutchouc ça, de grand, vous, vous en demandez beaucoup. C'est du ligne, euh, c'est en ligne de vue, et si vous êtes au sol et que l'autre station est au sol, et il y a des, des arbres, il y a des, des édifices, non, vous ne réussirez pas. Si vous êtes le moindrement dégagé, euh, en hauteur un petit peu sur une colline, quelque chose du genre, un des deux est sur une colline, il n'y a pas trop d'obstacles, oui, oui, sans problème. Mais s'il y a des obstacles, à 10 km, c'est trop demandé. Quelques kilomètres, oui, probablement, sol à sol, là. mais il euh, ne faut pas trop en demander. C'est pour ça que les répétitrices, les postes répéteurs, sont placés en hauteur, que ce soit sur la bande du 2 mètres ou de la bande du 70 cm, donc 440 MHz. Ils sont mis en hauteur pour aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de portée, parce que les usagers, eux, sont au sol ou dans leur voiture. OK? Alors, point à point, c'est toujours limité. Quelques kilomètres, 10 dans un environnement urbain ou en forêt. Non, à moins qu'il y ait un des deux qui soit élevé sur une montagne, une colline. D'accord Bon. Euh... Peut-on faire des mesures sur un montage fonctionnant à 433 MHz Émetteur et là le, la question a coupé donc euh, electronix si vous voulez redemander votre question euh, je vais peut-être être capable d'y répondre voilà euh, bon ben je vois bon que quelqu'un avait déjà répondu que c'était pas légal c'est réservé aux radiomateurs la bande des 446 MHz exactement pourriez-vous parler euh, des ports UART et des microcontrôleurs eh bien je l'ai déjà fait euh, dans ma vidéo euh, du, des protocoles série euh, euh, partie 1, c'était le port UART euh, dont j'ai traité. Donc, euh, allez voir ma vidéo sur les protocoles de série. Euh, vous allez avoir un bon résumé d'une vingtaine de minutes, je pense, sur le port UART, comment ça fonctionne. OK? Maintenant, passer cela, ça dépend de chaque microcontrôleur. Comment configurer le microcontrôleur pour communiquer par UART? Bien là, il va falloir que vous lisiez la fiche technique du microcontrôleur que vous euh, vous, vous configuriez certains registres pour faire fonctionner le port UART. Mais le protocole en tant que tel, c'est assez simple. Vous allez envoyer un, un, un octet et le, le port UART, donc le périphérique UART sur le microcontrôleur, va, va s'occuper d'envoyer les bits un à un et la parité, et ainsi de suite, par lui-même. Et pour la réception, c'est la même chose, une interruption qui est générée lorsque l'octet est reçu. Donc, euh, allez voir cette vidéo-là. OK, je continue. Pourriez-vous. Non, j'y ai répondu. Euh... Ben. Euh... Merci pour les tutos, Bertrand. Depuis que je te suis, j'ai grandi en termes de connaissances en électronique. Ben, c'est mon but. J'espère. J'espère que vous allez chercher un petit peu, chacun de vous, un petit peu de ce que je vous livre. Bien sûr, tous les sujets ne vous, correspondent, ne vous plaisent pas ou ne correspondront pas à vos besoins. Et, et c'est bien normal. Mais j'espère que dans tout. Dans tous les ventailles, vous pouvez tirer quelque chose euh, et vous allez apprendre euh, un peu de ce que je dis. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, évidemment, de tout savoir, mais euh, ce que je euh, connais assez bien, bien, je le livre avec assurance en général. Euh... Ok, pourrais-tu faire un petit tour de tes programmes que tu utilises sous Linux et peut-être nous indiquer les équivalents en Windows, entre Windows et Linux? Afin d'abandonner le logiciel sous licence, ok Ben oui, mais t'sais, savez, t'sais, hein, tu sais, t'sais. Euh, t'sais, euh, cher, euh, euh, <laughs> vous savez, tu sais, ça c'est québécois, c'est tu sais, tu sais, mon cher Rome, savez Rome C'est, il euh, y en a beaucoup, hein, que ce soit pour euh, du de la publication, euh, de la mise en page, euh, d'un chiffrier, euh, ça ne finit plus, hein. Euh, je pourrais faire euh, une vidéo là-dessus, je n'y répondrai pas euh, ici, évidemment, mais je me demande si ça plairait aux gens. Euh, peut-être que je pourrais faire le top 10 des logiciels euh, Linux que j'utilise, euh, dans le contexte de l'électronique, bien sûr. Euh, peut-être que je pourrais faire ça, ça pourrait peut-être peut -être, être intéressant. Oui, j'utilise Linux. J'utilise Ubuntu, euh, en fait, Zubuntu, avec un X, là. Zubuntu. Euh, j'utilise 16.04 euh, j'utilise toujours la version de support à long terme lts euh, c'est ce que j'utilise et c'est ça ce que j'utilise présentement avec deux écrans là. ça fonctionne très très bien euh, j'ai aussi euh, windows 2000 et windows 7 que je peux rouler dans un environnement virtuel d'oracle euh, lorsque c'est nécessaire lorsque j'ai des logiciels qui ne roulent que dans l'environnement windows ben je me je démarre cet environnement-là, mais sinon je suis sur Linux presque en exclusivité. Mais c'est quand même, ça pourrait peut-être être une vidéo intéressante. Euh, bon, ensuite, je continue. J'espère que ça va bien, là, que mes questions, que mes réponses euh, euh, sont intéressantes pour ceux qui posent les questions. Il est déjà, mon dieu, ça fait déjà 30 minutes que ça file. Que, euh, que pensez-vous, celle-là, je l'ai déjà... Euh, euh, J'y ai déjà répondu, mais je peux y toucher en 30 secondes. Que pensez-vous de l'obsolescence programmée ou de, ou de la négligence dans la majorité des SSD, donc les Solid State Drive, donc les disques à l'état solide, donc les disques à base de flash? Euh, bon, écoutez. De façon générale, l'obsolescence programmée, je n'achète pas trop euh, cette, euh, euh, cette théorie. Euh, je ne dis pas que ça ne s'est jamais fait. Il euh, y a des débats là-dessus. Je vous dis que de façon générale, les fabricants fabriquent euh, un composant pour qu'il dure euh, plusieurs années. Et euh, ils ne vont pas programmer après un certain nombre d'heures, de jours ou de cycles, ils ne vont pas programmer euh, une destruction ou des choses du genre. Okay? Maintenant, si un appareil s'use, que ce soit un disque dur, Traditionnel ou un disque dur basé sur la mémoire flash, bien, que voulez-vous qu'on y fasse? La mémoire flash a une limite du nombre d'inscriptions. Est-ce que c'est de l'obsolescence programmée? Moi, je ne peux pas y répondre, mais la technologie ne permet pas d'écrire plus qu'environ 10 000 fois ou 100 000 fois, j'ai oublié le chiffre, je crois que c'est 10 000 fois par cellule. Et les disques durs euh, SSD euh, ont des algorithmes qui distribuent les écritures sur toute la surface du disque. Alors, euh, en général, ça va vous donner des années et des années de fiabilité, à moins que vous soyez sur un serveur ou à moins que votre disque dur soit plein à plus de 90 disons, où là vous êtes vraiment contraint de toujours écrire aux mêmes endroits. Alors, gardez votre disque dur le moins plein possible, ne dépassez pas, disons, 80 de, de remplissage et euh, vous allez laisser suffisamment d'espace pour que le disque dur gère. Euh, les écritures pour des années d'usage. Mais, est-ce qu'il y a une, une obsolescence programmée euh, dans les disques durs euh, l'état solide de Flash? Écoutez, je n'ai pas vu sa vidéo d'Electronic Heart. Il faisait une suggestion de regarder la vidéo. Je, je suis sceptique un petit peu. Je vais regarder la vidéo et je pourrais peut-être commenter plus à l'avenir, mais euh, moi, je n'achète pas. Moi, je travaille dans une, pour une entreprise qui fabrique des équipements de télécommunication qui utilisent des composants et on a des, des normes de qualité. On a des normes très sévères de qualité et de, de, de fiabilité. On fait des essais en température de tout ce qu'on fabrique. On fait de. de, de le, en anglais, on dit has et halt. Donc, on fait des essais de stress pour accélérer le vieillissement des composants, pour simuler 10 ans et plus et 15 ans d'usage. Donc, on met l'effort. Donc, Peut-être dans le, dans le domaine des équipements de, de consommateurs, peut-être que l'effort n'est pas aussi grand. Là. Mais de leur dire qu'ils programment une obsolescence, là. Hmm. non. Bon, alors j'avais dit une minute, mais finalement je me suis étendu. Euh... Bon, alors euh... euh, pourrais-tu faire une vidéo sur, les sur le logiciel en ligne Easy EDA? Euh... Je suis pas quelqu'un qui aime vendre des, des logiciels, bien que je comprends que ça ne coûte rien de l'utiliser. Euh, ouais, j'imagine que je pourrais, mais ça serait plusieurs vidéos, parce que qu'il y aurait au moins minimum une vidéo pour la, les schémas, une vidéo pour la fabrication de plaquettes, et il y aurait probablement aussi une vidéo sur la simulation, que j'ai, au passage, que je n'ai jamais utilisé, le simulateur sur EasyEDA. Donc, euh, ouais, si vraiment le, tout le monde le demande, euh, euh, mais je trouve le logiciel assez intuitif euh, de façon générale. Donc, c'est pour ça que euh, ça s'adresse vraiment aux débutants euh, de, de la première heure. Donc, euh, je le trouve assez intuitif. Euh, alors, c'est à mettre peut-être dans ma liste de, de vidéos. Euh, Faudra voir. Je, me, je ne m'en sers pas souvent non plus d'EasyEDA. Je m'en suis servi une fois ou deux. Mais en général, j'utilise KICAD, KICAD, on prononce K-I-C-A-D, qui roule sur Linux et qui roule aussi maintenant sur Windows, je crois. Donc, euh, j'aime beaucoup ce logiciel-là. D'ailleurs, j'ai fait une petite plaquette il n'y a pas si longtemps. Et ceci, ceci dit, j'ai eu une autre expérience avec celui qui fabrique les plaquettes euh, su, par défaut là, sur le site de Easy EDA. Euh, qui est JLCPCB, je crois. J'ai eu une expérience avec eux. Euh, euh, mon Dieu, si vous me laissez, laissez-moi laissez 15 secondes. Je vais vous montrer la plaquette. J'en ai, euh, ai fait fabriquer 10. C'est des petites euh, plaquettes euh, mignonnes, mignonnes euh, pour un petit projet que j'ai fait. Euh, ce n'est pas gros, comme vous voyez, euh, comme plaquette. Et d'ailleurs, il, il, il y a le QFN 20 dessus. Au bout de mon majeur, vous voyez le, le boîtier QFN 20. Et euh, j'en ai fait faire 10 de ces plaquettes à double face euh, pour euh, 10 dollars livrés à la maison. Et ça a pris 10 jours par courrier euh, recommandé. Donc, 10 dollars pour 10 plaquettes livrées en 10 jours par courrier recommandé. 1 dollar américain chaque. 1 Incroyable. Alors, je ne travaille pas pour eux, je ne leur fais pas de commandite, ce n'est pas le but, mais je vous donne, si j'ai un tuyau à vous refiler, un conseil, ben je vous le donne. Très bien. Et la qualité, numéro un. Je n'ai rien à dire. Très, très satisfait. OK, alors, euh, j'ai fait du coq à là. Alors, Easy EDA, euh, je vais je le mets sur ma liste. Alors, je continue. Euh, je vais aller un petit peu plus loin parce que je vois que la liste s'allonge. Oh, mon Dieu. C'est des questions trop larges. Je peux pas répondre à ça. Par exemple, je fais mes études en électronique, en HF, en optique, en numérique, transmission, mais je ne sais pas encore en quoi me spécialiser. Comment me renseigner sur les métiers accessibles? Visiter les sites des universités. C'est ce que je vous dirais. Dans les programmes en génie, par exemple. Génie en électronique et génie électrique, électronique et robotique, ces choses-là. Euh, et vous trouverez certainement euh, des bonnes idées de carrière possible. Je, ce serait la recommandation que je vous donnerais parce que là, des métiers, là, il y en a une liste interminable. Là. Et c'est vous, là, au final, c'est pas moi qui va vous dire euh, qu'est-ce que vous devriez euh, adopter là, comme euh, comme carrière. Là. Alors, euh, concernant les circuits Real Time Clock RTC, comme je vous ai montré, euh, avez-vous été euh, confronté à des problèmes de précision liés au quartz? Absolument. Euh, généralement, ces horloges-là ne sont pas faites pour garder le temps très, très précis pendant des années. Okay? Tout est évidemment fonction de, du petit résonateur à 32 euh, kHz, 32.768. Alors, si vous voulez l'améliorer, mettez-lui un meilleur résonateur dont la stabilité et la précision euh, sont meilleures que celui qui vient avec. Alors, oui, absolument. En général, ces petites plaquettes-là sont utilisées pour venir suppléer quand l'appareil est éteint. Et quand on allume l'appareil, l'appareil va aller sur le réseau Internet, s'il est connecté, si c'est un, un appareil connecté, bien sûr, branché à l'Internet. Il va aller lire sur un serveur NTP, et il va mettre à jour l'heure sur la petite plaquette. Alors ça, c'est la meilleure façon de l'utiliser. Si vous ne vous mettez l'heure dedans une fois et que vous le laissez aller à tout jamais et que ça devient votre référence, ça va glisser, bien sûr. Alors, si tout est fonction du cristal ou du résonateur que vous mettez dessus. Je ne crois pas que c'est un cristal. Euh, alors, achetez-vous un meilleur résonateur et installez-le dessus. Et vous allez augmenter la précision de votre horloge. Euh, D'autant. Okay, parce que je, à 1$ la plaquette là, complète, la, incluant la pile, euh, je ne crois pas que le résonateur est de très haute qualité. Euh, bon. OK. Ah! Une bonne question ici. D'après tes expériences euh, au niveau euh, en tant qu'ingénieur, penses-tu qu'il faut être bon en mathématiques pour la réalisation de circuits? La réponse, c'est non. Euh, je ne fais jamais d'intégrale à mon travail, je ne fais jamais de dérivée, je ne fais jamais d'équation de la place de transformer en Z parce que je ne fais pas de la recherche, je fais de l'application. Je fais de la réalisation de circuits, bien sûr, mais c'est de prendre des composants, et donc on fait des additions, multiplications, divisions, euh, peut-être des racines carrées, euh, on, on utilise des formules qu'on connaît déjà. Donc on ne se mettra pas à faire des mathématiques très évoluées. Par contre, mon cours de génie nécessitait toutes ces mathématiques-là, c'est bien certain. Donc, oui, pour y arriver, mais dans mon travail, non. Pas plus qu'il ne faut. Euh, bien sûr, euh, il faut comprendre les concepts, euh, mais ce n'est pas nécessaire d'être très, très génie en mathématiques. Là, pour euh, 99% de mon travail, c'est de simples calculs. Avec une calculatrice ou un chiffrier, euh, tout simplement, des calculs de bandes passantes, des choses comme ça, avec des filtres RC, des filtres RLC, LC. Il n'y a rien de compliqué dans ces formules-là en général. Alors, euh, merci pour la qualité du son. Euh, le live est parfait, très bien. J'ai décidé d'utiliser ce micro. Je ne sais pas si vous entendez quand je, je frappe le ressort du pied, euh, du mât, mais. Euh, Espérons que bon, c'est un peu mieux que le microphone euh, cravate euh, que j'utilise habituellement. Alors euh, ferez-vous des tutos sur transmission de SMS sur un Shield SIM 900 pour Arduino pour faire de la domotique à distance Ben euh, je vous savez qu'ici le service GSM, les services téléphoniques, ils ne sont pas donnés. Hein. Envoyer un SMS, euh, c'est... Euh, ben, D'ailleurs, le service mensuel au, au Canada, c'est... On est dans les pays où c'est le, le plus cher. Donc, on n'a pas tendance à utiliser un service cellulaire juste sur une petite carte pour faire du bidouillage. Il n'y a pas de service cellulaire en bas de 25 au, au Canada mensuellement. Euh, il peut y avoir un service donné seulement à 15 mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas envoyer des SMS. Les SMS, c'est un service cellulaire. Euh, voix, ça ne rentre pas dans le forfait donné en tant que tel. Donc, il faut prendre un forfait voix, on n'a pas le choix pour pouvoir envoyer des SMS. Sinon, on peut prendre le forfait donné, mais il y a un supplément à chaque SMS euh, qu'on envoie. Euh, lorsqu'on en reçoit, c'est gratuit, mais lorsqu'on en envoie, il nous charge quelque chose. En tout cas, je peux parler pour Belle Mobilité, la compagnie euh, qui m'offre mon service, mais c'est pas mal similaire, je suis convaincu pour les autres. Alors, il n'y a pas grand service cellulaire en bas de 25-30 donc, je n'ai pas tendance à vouloir utiliser le cellulaire. Mais euh, un de ces quatre, je retirerai la carte, ma carte SIM de mon téléphone et j'essaierai ce genre de choses-là. Mais auparavant, je vais utiliser le ESP32 avec le Wi-Fi euh, bien avant pour faire de la, de la domotique. Et on pourrait passer par le Wi-Fi à ce moment-là plutôt que de passer par des messages SMS. Si on a accès au Wi-Fi à partir de l'objet domotique, pas de problème, on peut recevoir après ça un courriel, on peut recevoir un message sous n'importe quelle forme dans notre téléphone intelligent euh, que, que lui faut forfait donné et, et, et ou voilà, sans problème. Alors, euh, est-ce que pour la conception mécanique de montage genre mise en boîtier? Est-ce qu'il existe un logiciel pratique pour la conception mécanique de montage du genre de la mise en boîtier? Pratique, je ne le sais pas. Euh, oui, il y en a beaucoup de logiciels de mise en euh, de, de logiciels de conception mécanique. Euh, il y a des comme AutoCAD ou des logiciels similaires, mais c'est assez générique. Ce n'est pas en particulier pour la mise en boîtier. Peut-être ça existe. Moi, je n'en connais pas. S'il y en a qui en connaissent, vous le, vous le direz dans le, le clavardage, mais moi, je, je, je ne me sers pas de ça. J'utilise certains logiciels. Euh, je fais rarement de la construction mécanique. Si je faisais de l'impression en 3D, là, ça serait autre chose. Et j'y songe très sérieusement, d'ailleurs, de me commander une imprimante 3D et en faire une vidéo, mais euh, j fais, je n'en fais pas pour l'instant, donc euh, je, je n'ai pas de réponse facile à vous donner au sujet de l'aspect mécanique des choses. Bon. Euh... Ah, la question a été complétée. Ok. Bonsoir, Etobidoya. Peut-on faire des mesures sur un montage fonctionnant à 433 MHz, émetteur et ou récepteur radio, avec un oscilloscope ayant une bande passante de 50 MHz, par exemple? Bon, et si vous voulez faire des mesures radiofréquences à 433 MHz, la réponse c'est non. Vous ne serez pas capable. Euh, vous, au mieux, vous ne verrez qu'une certaine amplitude qui va grossir et diminuer. Euh, qui être, risque d'être assez petite, qui sera l'enveloppe générale du signal, mais, mais c'est tout. Euh, vous ne verrez pas le signal à 433 MHz, c'est simplement une question de bande passante. Alors au minimum, vous auriez besoin d'un oscilloscope à 500 MHz, mais encore, vous allez voir euh, le signal à 500 MHz, mais s'il y a beaucoup de modulation dessus, s'il y a des pointes, des pointus, si la modulation s'étale, euh, vous allez peut-être manquer certaines choses parce que vous approchez du 500 MHz là, à, 400, à 433 MHz. Donc vous allez voir la fondamentale, certainement. Vous allez voir la modulation de chaque côté, oui. Oui, vous allez, vous allez voir. Vous allez voir le signal euh, à ce, ce moment-là. Mais c'est limite, là. Ça commence à être limite. Donc si vous voulez regarder les pulsations qui viennent à l'entrée de l'émetteur avant que ça soit modulé à 433 MHz, oui, vous allez voir le signal numérique. Avant d'être modulé et envoyé sur, euh, sur radiofréquence. Mais le signal radiofréquence lui-même, euh, vous ne pourrez pas avec un oscilloscope à 50 MHz. D'accord? Y euh... t il une raison particulière pour, pour le fait que tu n'aies pas trop souvent utilisé des triacs dans tes bidouilles? Parce que je n'ai pas souvent fait de bidouilles sur le secteur, tout simplement. Tout simplement. J'utilise beaucoup plus tout ce qui est en CC. Je n'ai pas bidouillé souvent directement pour contrôler des lumières, des choses du genre, des lampes euh, euh, sur le secteur. Donc, je n'ai pas eu à utiliser le triac. Tout simplement. Le secteur ne m'attire pas particulièrement euh, du, du côté du, du bidouillage, bien sûr. Euh... Je peux bloquer les chats, de Pascal, à condition que je vois le, le message passer et, et, que, et que je décide là, de, de prendre une petite pause dans ce que je dis pour bloquer. Sinon, je, je, je n'ai pas le temps de tout analyser, tous ceux qui mettent euh, du texte. Mais si j'envoie un au passage qui ne fait pas de sens, je peux bloquer l'usager absolument. Et euh, c'est pour ça que je, je t'avais demandé l'aide pour que tu puisses le faire à ma place. Alors, c'est ça qui est la réponse, Pascal. Pascal, c'est évidemment celui qui m'aide sur le forum électro Et Je lui ai demandé de m'assister sur le clavardage. Et ça va se faire probablement dans les prochains, prochains lives euh, pour que lui puisse filtrer euh, ceux qui mettent des, des questions, des sujets pas trop, trop euh, édifiants. Bon, alors, vous êtes passé à l'heure d'été? Oui, la semaine dernière. Euh, première de mars, deuxième de mars et première de novembre sont les dates de changement d'heure ici au Canada. Euh, bravo pour votre travail, merci beaucoup. Euh, euh, Est-ce que tu me conseilles un livre pour les nuls Le livre L'électronique pour les nuls, oui. D'ailleurs, il existe gratuit. Si vous le voulez voir en format PDF, allez sur le forum électro-bidouilleur, euh, forum.bidouilleur.ca et cherchez électronique pour les nuls. Vous allez trouver plusieurs sujets où on fournit des liens. Vous allez trouver. Parce qu'il faut le chercher un petit peu. Vous allez trouver le PDF de, du livre électronique pour les nuls. Sinon, achetez-le en librairie euh, ou commandez-le euh, en ligne. Il existe évidemment en, fond, en format papier. Euh, oui, c'est un bon livre. Il y en a d'autres, évidemment. Vous allez trouver d'autres suggestions d'ailleurs sur le forum si vous allez voir ces sujets-là. Euh, Aurais-tu des noms de boutiques IB vendant du matériel de mesure usagé importable en Europe? Euh, non, parce que ça fait assez longtemps que je n'en ai pas acheté. Ce que vous voyez derrière moi, j'étais très actif il y a quelques années dans le matériel usageux sur eBay, mais ça fait quand même quelques années que je n'ai pas commandé et j'avais tendance à acheter uniquement en Amérique du Nord et si je pouvais seulement au Canada. Donc, je ne pourrais pas vous recommander des vendeurs en Europe ni ailleurs parce que les coûts d'expédition d'appareils qui pèsent 20, 30, 40, 50, 70, 80 livres... Kilo, 10, 20, 30 kilos, 40 kilos, c'est exorbitant. C'est rendu des centaines de dollars pour faire venir quelque chose d'Europe. Donc, je ne le fais plus. Je surveille Canada, États-Unis, tout simplement. Euh, Peut-on fabriquer un oscilloscope fait de bidouillage? Oui, ça se fait. C'est un bon projet. Et plus vous voulez de la bande passante élevée, plus costaud sera votre projet. Les oscilloscopes d'aujourd'hui ont un ADC, donc un convertisseur Analogique Numérique, assez rapide, merci. Ça, c'est pas si mal, il s'en vend. Mais d'avoir la donnée qui a été échantillonnée et convertie, ça, c'est seulement la première, la première étape. Après ça, il faut traiter cette donnée-là. Et habituellement, il y a un FPGA, un Field Programmable Gate Array, qui va faire le traitement en temps réel de la donnée pour pouvoir ensuite l'afficher. Et c'est là que ça se complique beaucoup. Alors, à moins de développer du FPGA, ça devient assez complexe. Et développer du FPGA, ce n'est pas pour tous les, les bidouilleurs. J'y songe là, de, de, de faire euh, un projet avec FPGA et vous le montrer euh, avec une plaquette de développement FPGA. C'est dans mes listes de choses à faire parce que je n'ai jamais fait cela. Euh, donc, développer, j'ai implémenté des FPGA sur des plaquettes, évidemment beaucoup, à mon travail, je fais ça beaucoup, mais de développer le code d'un FPGA, ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, ça sera peut-être quelque chose d'intéressant. Mais c'est costaud, je vous le dis d'avance, euh, bonne chance. Euh, Est-ce qu'il y a des bibliothèques graphiques pour l'Arduino? Certainement qu'il doit y en avoir, certainement, mais je ne l'ai pas essayé. Bonne question. Mais là, la question que vous vous demandiez, c'est sur quoi allez-vous afficher? Sur un affichage branché sur l'Arduino? D'accord un affichage à Dell ou à LCD, oui, à ce moment-là, vous avez besoin d'une librairie. Vous pouvez le faire, euh, comme je l'ai déjà fait, là, à la volée, une petite librairie. Si vous avez juste des lignes ou des cercles à tracer, ça se fait en écrivant du code C. Là. Si vous voulez quelque chose de plus complexe, ça va prendre une librairie, oui. Je ne les connais pas, malheureusement, mais je ne serais pas surpris que ça existe, bien sûr. Euh, S'il y a euh, possibilité de mettre un affichage euh, graphique sur euh, l'Arduino, ce qui est le cas, ben, il y a des gens qui auront développé des librairies graphiques aussi. Bon, alors... Euh... Oui, ça c'est une bonne question. Comment utilisez-vous un débogueur physique avec un STM32? Si oui, quel environnement de développement? La réponse est non. Euh, pour, développer, pour utiliser un débogueur, il faut acheter euh, de STM. Pour le STM32, il faut se procurer un débogueur de STM. Euh, je ne crois pas qu'ils sont très chers, mais je, me, je ne l'ai jamais fait. Euh, Est-ce qu'il y a des clones disponibles à vraiment pas cher Je ne serais pas surpris non plus, mais je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. J'ai utilisé simplement l'environnement Arduino IDE et je téléverse euh, le code C directement. Je n'ai pas utilisé de débogueur matériel, hein, ce qu'on appelle un, un In-Circuit euh, Debugger. Uh, In-Circuit Emulator Debugger, un uh, ICD. Uh, donc, non, je ne l'ai pas utilisé. Alors, uh, mes projets n'ont pas nécessité, n'étaient pas suffisamment gros pour que j'aie besoin de cela. Uh, je continue dans les questions. Je vais prendre une petite. Une petite euh, ah oui, j'avais une question ici qui m'avait été demandée avant, avant le, le live. Juste y répondre. J'aurais une nouvelle question concernant le déphasage. Je n'arrive pas à m'expliquer quelle est l'incidence sur le déphasage, donc sur un déphasage, d'un signal audio, par exemple. Je me dis sûrement à tort que cela ajoute un délai, mais sans modification du signal. Qu'en pensez-vous? Euh, Pouvez-vous prendre un peu de temps durant le live? Oui. Euh, bon, alors, dans un environnement parfait, sans réflexion dure des murs, venant des murs, euh, avec une seule source sonore, oui, le délai, le déphasage, si vous voulez, n'a aucune incidence sur la qualité sonore. Le, signa, le son va simplement nous arriver avec un léger délai. Venant d'une seule source, il n'y a, pas, y a, y a aucun, aucun problème à ça. Lorsqu'il y a plus, plus d'une source sonore, donc en stéréo ou en monophonie, avec plus d'une source, donc plus d'un haut-parleur, plus d'une enceinte, ben là, c'est une autre histoire. Euh, ou lorsqu'évidemment il y a des réflexions sur les murs euh, et c'est le cas dans la majorité de nos installations d'audiophile, mais ben là c'est une autre histoire. Euh, puis je peux vous en témoigner, j'étais euh, disjockey, j'étais DJ euh, à l'université. Je, je faisais la sonorisation pour toute l'université. et on avait euh, plus de 1000 personnes dans les salles euh, couramment. Mais quand la salle était vide, 1000 personnes ça absorbe le son énormément. Très bien, c'est excellent. Mais quand la salle était vide et on faisait nos tests de son, aïe, 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 on avait euh, euh, des annulations de phase, c'était incroyable, on se promenait dans la salle qui était vide, là, puis il euh, euh, y avait des annulations, il y avait de la reconstruction sonore, il y avait toutes sortes d'effets qui étaient indésirables et euh, on se regardait avec des, euh, des drôles de visages parce qu'on disait oh non, le son est mauvais, tout ça. Mais quand la salle se remplissait, c'était beaucoup mieux. Et c'était encore pire si on mettait une, un signal monophonique, parce que là, vraiment, il y avait vraiment reconstruction et annulation de phase. Donc, euh, ça, c'est euh, la réalité de, de, des problèmes de, de phase. Donc, en stéréo, là, vous pouvez le vérifier, ça facilement, si vous voulez le constater. Inversez les fils sur vos enceintes, inversez le plus et le moins sur une de, de vos deux enceintes. Et écoutez la même, la même pièce musicale que vous venez juste d'écouter lorsque les enceintes étaient bien branchées, inversez un des deux côtés, droit ou gauche, et écoutez à nouveau votre pièce et vous m'en donnerez des nouvelles. <laughs> vous allez voir. Donc, mais tout est relatif, hein. Euh, tout est une question de positionnement d'un signal par rapport à l'autre. Euh, une acoustique parfaite, ça n'existe pas, ça n'existe pas, sauf dans une chambre anéchoïque faite exprès pour annuler toutes les toutes les euh, toutes les, les réverbérations, les réflexions. Donc, on doit vivre avec euh, les jeux de phase, malheureusement. Et en même temps, qu'on le veuille ou pas, ça donne un peu de couleur à la musique. OK? Bon, alors là, euh, je retourne euh, au chat. Voilà, je continue. Euh, tu conseilles quel site de vente pour les semi-conducteurs de puissance? Mon Dieu! Moi, quand je fais un projet et que j'ai beaucoup de pièces à commander, moi, je fais affaire avec Dejiki. Dejiki, c'est une compagnie qui est nord-américaine. Ils ont un entrepôt au Canada et ils ont un gros entrepôt aux États-Unis. Et ils livrent partout dans le monde. Alors, euh, et en tout cas pour, pour nous, je ne sais pas si c'est la même chose pour l'Europe, mais euh, ici, c'est 8 dollars les frais de livraison, peu importe ce qu'on commande. Si on dépasse 125 dollars, 100 ou 125 dollars la commande, c'est gratuit la livraison. Donc, c'est avec eux que je fais l'affaire lorsque j'ai besoin de beaucoup de pièces. Que ce soit de la puissance euh, ou des pièces logiques, ou peu importe, c'est avec eux que je fais l'affaire. Lorsque j'ai juste une pièce à commander, une fois, j'en veux un ou deux, bien, évidemment, je ne commanderai pas de DJK. Alors, à ce moment-là, je vais me rabattre sur des sites en ligne, euh, même euh, eBay euh, euh, ou des sites où il y a des pièces en vente. Euh, ça peut être un site canadien ou américain, mais d'individus qui, eux, font ça euh, à temps perdu, là. Et puis ils pas cher. Euh, eBay, euh, j'ai tendance à commander. Oui, il peut y avoir de la contrefaçon de pièces. On en a déjà discuté à plus d'une reprise. Mais en général, j'étais bien servi, même s'il si y a toujours un risque de contrefaçon. Okay? Mais euh, l'idéal, c'est de commander de euh, éléments Farnell, euh, éléments 14, euh, Dejiki, euh, mon Dieu, euh, Mouser, euh, toutes ces grandes compagnies. Euh, ou euh, des compagnies qui vendent euh, du matériel euh, d'électronique de façon industrielle, on peut leur faire confiance d'habitude. Et ils ont souvent un arrangement pour les petits bidouilleurs comme nous, avec des frais fixes de livraison, entre autres. Et c'est souvent livré le lendemain, ce qui est le cas avec des Jeky d'ailleurs. On passe notre commande avant 19h le soir, c'est livré, garanti li d'être livré le lendemain. Pour quelqu'un qui fait un projet, là. Numéro un Bon, alors. Euh, en France, sur le 446, c'est public. Je sais que la radio amateur, euh, de 430 à 440 en France, c'est radio amateur. Ici, au, en Amérique du Nord, c'est de 430 à 450. Donc, euh, vous me parlez de 446. Pour nous, c'est la radio amateur. Peut-être que le 440 à 450 fait partie de la bande publique et ne fait pas partie d'une bande réservoir radio amateur. À vous de vérifier, mais... Euh, Vérifier, pour être certain que vous n'êtes pas dans l'illégalité. Bon, alors... Euh, euh, bon, je continue, je regarde... Euh, Sais-tu si un ondulateur peut endommager du matériel? J'entends par parce que la plupart des ondulateurs ne sortent pas un beau sinus, mais plutôt un signal sous forme de créneau. C'est vrai. Euh, les oscillateurs qui sortent un beau sinus, ils sont rares, ils existent, mais... Euh, sinon, ben, c'est un semi-sinus ou un pseudo-sinus, ce qui est en fait des sauts, là, des pas qui s'apparentent à la forme d'une onde sinusoïdale. Est-ce que ça peut endommager des appareils? Euh, je sais que, hum, il y a certains ondulateurs très rudimentaires qui ne sortent qu'une onde carrée carrément, et non pas des, des marches. Ça, c'est terrible. N'utilisez pas ce genre d'ondulateur-là. Euh, S'il y a des marches, je pense qu'en moyenne, ça ressemble à un signal sinus. Normalement, ça devrait aller. Il n'est pas impossible que vous entendiez un petit transformateur faire du bruit, par exemple. Okay? Euh, gronder un peu. Ou, euh, on... Mais je ne crois pas que ça va l'affecter à ce point. Mais l'onde carré, purement carré, évitez ça. Euh, parce qu'il y a des risques de surcharge. Mais si l'onde s'apparente apparente à un sinus, normalement, je dis bien normalement, là, il ne devrait pas y avoir de, de problème. Maintenant, si vous, rend, vous passez ça directement dans un triac, là, je ne peux pas vous garantir que le triac va bien fonctionner par contre. Là. Mais si vous passez ça dans un bloc d'alimentation, ça devrait aller. Si l'ondulateur est moindrement de qualité, là, ça devrait aller. Euh... Oh, bah, c'est une question qui vient de, de Tam, Tamouzni, d'Alger, euh, qui peut être intéressante. Euh, au sujet des ondes radio, est-ce que la force d'un signal radio diminue quand il y a beaucoup d'appareils qui reçoivent le signal? Non, parce qu'il y a tellement d'ondes radio en présence autour de nous que euh, je n'ai jamais entendu dire qu'un signal allait absorber toute l'énergie euh, environnante au détriment d'autres récepteurs. Alors, c'est une question qui peut paraître banale et même trop simpliste, mais non, elle est quand même songée. Et euh, non, il y, a, il y a suffisamment d'énergie radiofréquence autour de nous pour, pour ne pas que ça se produise, euh, ce genre de, de phénomène. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler de, de cela. Peut-être que ça pourrait se faire dans un environnement contrôlé, euh, très petit, restreint, à des, à des euh, longueurs d'onde qui sont euh, très petites mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène. Euh, bon, mon Dieu, ça fait déjà une heure. Je suis prêt à continuer une quinzaine. Euh, J'aurais réussi à, à faire mon live malgré tout. Alors, <coughs> merci pour les merci. Euh, bon, je continue. <coughs> Pardon. Désolé. Euh, Existe-t-il des répéteurs Wi-Fi sur batterie ou solaire Pour équiper une cabane de 600 mètres éloignée des maisons principales, peut-on euh, enchaîner les répéteurs sans perte euh, Ben oui, euh, ben je vais répondre à la deuxième question. Euh, oui, il n'y aura pas de perte, évidemment, parce que votre signal qui devient analogique lors de l'émission est reconverti en signal numérique. Euh, et avant d'être reconverti en signal analogique et réémis, mais il va y avoir des délais par contre inhérents à chaque à chaque saut. Donc il y aura une latence qui va se créer. Pour euh, pour le commun des mortels, ça n'a pas d'influence, mais pour euh, le gamer, celui qui joue à des jeux, ben chaque, chaque chaque saut dans le réseau rajoute un certain délai. Mais en termes de qualité du signal, il n'y aura pas de différence, non. Alors, je reviens à la première partie. Euh, répéteur Wi-Fi sur batterie ou solaire. Euh, écoutez, un émetteur Wi-Fi moindrement puissant va sortir au moins 100, 200, 300 milliwatts. Euh, c'est de l'énergie, puis c'est en permanence en train d'émettre. Vous allez devoir avoir des panneaux solaires ou des batteries qui peuvent euh, fournir 24, 20, 24 sur 24, euh, 7 jours sur 7. Euh, ça va prendre de bons panneaux puis une bonne batterie euh, solide. Va devoir être rechargé. Donc, euh, mais est-ce que ça se vend tout fait? Je ne sais pas. Vous allez devoir peut-être le mettre, euh, le construire de vous-même. Je euh, ne suis pas convaincu que ça existe. Mais ça va être assez gros comme panneau solaire. À mon avis, là, vous allez avoir besoin d'une bonne batterie parce qu'il y a des périodes où l'ensoleillement n'est pas suffisant. Et puis euh, où il peut y avoir même de la neige qui tombe sur le panneau. Et puis là, vous, 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 vous allez vous ne fier qu'à qu la batterie à ce moment-là. Euh, bon, euh, je suis intéressé par une, pré, euh, une présentation sur les équivalences libres. Bien, moi, j'utilise les logiciels libres, euh, donc euh, euh, ouverts, open source, euh, depuis plusieurs années déjà. Si vous me dites, y a-t-il une équivalence Il euh, va falloir que je cherche l'équivalence Windows à l'équivalence du logiciel libre. Alors, c'est le chemin à l'envers, l'histoire. Alors, euh, je verrai si je pourrais euh, faire quelque chose, oui. Euh, mais euh, euh, je, je suis plus en mesure de parler des logiciels sur Linux ou des logiciels euh, gratuits, des gratuits, que de parler des logiciels Windows. Ça, il n'y a, a pas de doute. Euh, bon, alors je continue. Euh, J'ai vu une question de top 10 de logiciels. Je remonte un petit peu là. Euh... Excuse moi ça déroule. Euh, L'usage des pales et des gales. est-ce que ça se fait encore? Non. Alors, les pales, les gales, c'était des, euh, des puces de 16, 18, 20, 22 broches, DIP, bien standard, dans lequel il y avait toute une série de portes logiques qu'on programmait, qu'on qu qu programmait, pardon, à la manière d'un FPGA, mais c'était combien plus simple. Il y avait peut-être deux douzaines de portes logiques à l'intérieur, quelque chose du genre, et ce qui nous permettait de faire des fonctions logiques simples. Mais aujourd'hui, avec l'apparition des microcontrôleurs, euh, à tellement peu de frais, euh, je ne vois plus vraiment l'utilité d'un PAL ou un GAL, à moins que le minutage soit à ce point critique. Qu'on ne veut pas mettre un FPGA, mais il existe des petits FPGA aussi. Donc, euh, bah, non, non, j'aurais tendance à dire que c'est pas assez date, quant à moi. Euh, bon, alors, je continue. Euh, bon. Alors, il y a quelqu'un qui parle d'un débogueur, euh, justement, là, euh, donc euh, euh, pour se connecter de façon matérielle sur le STM32. C'est le ST Link, en effet. Euh, c'est une copie, donc ST-Link IDE, on parle de 4$ US, ST, SW4 STM32. Ça, c'est le logiciel euh, IDE qui est gratuit. Donc, il faudra que je fasse des recherches là-dessus aussi. Ça pourrait être intéressant, ça. Ce, de... Mais par contre, je n'en ai pas eu besoin jusqu'à maintenant. Alors, merci, euh, l'O2740, pour euh, cette, euh, ce tuyau. Euh, bon, alors, euh, je continue à tourner. Euh, en tant que radiomateur, as-tu déjà touché à la transmission d'images et de sons Des conseils pour débuter sur le sujet je n'en ai pas fait, fait moi-même, mais je connais assez là-dessus. Euh, Peut-être qu'un jour j'en ferai, mais certainement en transmission numérique. Parce que dans le passé, on faisait beaucoup de transmissions. À l'époque, c'était PAL, donc le standard PAL analogique ou NTSC en Amérique du Nord. On se mettait sur la bande des euh, 70 cm, donc la bande de 430 MHz, et on émettait le signal euh, télévision, radio amateur. Pour d'autres radioamateurs dans, dans, dans le coin qui pouvaient recevoir, on pouvait se prendre des contacts radio par, par télévision tout simplement. Alors ça, ça se faisait beaucoup, ça se fait encore aujourd'hui, mais ça prend un modulateur euh, MTS, un modulateur euh, numérique. Et euh, ben, ai pas, je n'en ai pas fait malheureusement jusqu'à maintenant, mais j'aurais envie, j'ai ça à l'arrière de la tête. Et la vie est longue, peut-être qu'un jour euh, j'y reviendrai. Euh, bon. Alors, il y euh, a quelqu'un qui, euh, qui me remercie d'avoir fait la vidéo sur euh, l'introduction à la fibre optique ou transmission par fibre optique, puis qui voit le, les annulations de, de phases, tout ça, euh, comme ce qu'on voyait dans la fibre optique. Alors, euh, ben c'est bien. on voit les, les phénomènes d'ondes, euh, que ce soit une onde mécanique ou une onde optique ou une onde électromagnétique, là, dans le sens large du terme, c'est toujours le même principe. Hein? Il y a annulation ou, ou construction, reconstruction. Alors, tant mieux si vous appréciez la vidéo. Euh, C'est une vidéo qui dure 52 minutes quand même. C'est ma plus longue à vie, euh, si j'exclus les, les sessions live, bien sûr. Là. Euh, mais si vous voulez avoir un, un bon compte-rendu des technologies sur la fibre optique, euh, ben, vous irez voir cette vidéo-là, introduction aux transmissions par fibre optique. Euh, bon, alors je continue. Bien sûr, normalement, à hi on met les haut-parleurs en phase. Bien sûr, je, je ne dirais pas le contraire. Ce que je dis, c'est que pour expérimenter et voir ce que c'est l'annulation de phase, c'est le truc à faire. Lorsque vous l'aurez vécu, remettez-les normalement, vos, vos enceintes. Bien sûr, rebranchez-les de façon normale. Euh, bon, pour des pièces, il y a AliExpress aussi. Moi, j'aime bien eBay là, parce qu'on peut choisir d'où on prend le produit, bien sûr. Euh, il y a AliExpress où vous pouvez acheter à l'unité aussi. Bien sûr. Euh... Alors, je continue, voir s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il. OK. Ah oui. Euh, Michel me demande cette question. Non, pas vrai. Euh, Dominique me demande cette question-ci. Euh... As-tu un site avec des schémas expliqués? Alors, je présume que euh, la personne veut que le site explique comment lire le schéma. Et cette question-là me revient beaucoup. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur comment lire un schéma? Euh, oui, je vais en faire une. Je vais en faire une. Mais j'ai de la difficulté à, à savoir comment débuter cette vidéo-là parce que pour moi, la lecture d'un schéma, c'est comme regarder une photo, une photographie. C'est par où on commence, je ne le sais pas. Euh, on, on regarde au centre. Puis, on regarde le titre euh, Vous voyez ce que je veux dire après ça on regarde oh il y a trois blocs ok il y a des ampli hop après ça on, voit on va nos yeux vont aller vers les alimentations probablement ah ok ouais, c'est du plus ou moins 12. Euh, qu'est-ce que c'est ça ah, ça a l'air l'audio euh, non pas du tout il y a une porte logique c'est pas de l'audio euh, comment lire un schéma je ne sais pas quoi vous dire c'est vraiment euh, je ne sais pas si vous me dites voici un schéma Comment vas-tu le lire? Bon, à ce moment-là, je peux décortiquer ce schéma en particulier, mais euh, ça ne s'appliquera pas à d'autres schémas nécessairement. C'est trop général comme, comme sujet. Donc, j'essaie de trouver un angle qui va être assez général, mais c'est difficile. C'est difficile. Comment interpréter un schéma électrique en le regardant puis en l'analysant? C'est difficile de répondre à cette question-là, même dans une vidéo. Euh... bon euh... bon il y a des gens qui répondent déjà à des questions l'électronique euh... pratique volume 1 et 2 euh... Euh, comme étant des suggestions il y a aussi le site de Sonelec, S O N E L -E C bon c'est très bien c'est un autre endroit tant mieux si vous répondez euh... oui le terme pour de la, de la transmission de télévision en radiomateur on appelle ça ah, attention là mélangez pas le SSTV c'est pas le FSTV. L'acronyme SSTV, c'est Slow Scan Television. Donc, c'est donc de la télévision à balayage lent, du type ça prend 30 secondes pour envoyer une image. Ce n'est pas ce genre de télé que, dont je, je, euh, auquel je faisais référence tantôt. Je parlais vraiment d'une télévision à balayage constant, à vitesse constante, comme on connaît. D'accord euh, Bon, aussi... Euh... Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. C'est bien que les gens répondent aux questions. Bon, ça répond beaucoup aux questions sur les livres, qui est très bien. Euh... Peut-on utiliser un Arduino Uno pour programmer un microcontrôleur J'avais déjà répondu à cela, mais c'est oui, absolument. Vous allez avoir besoin d'un shield ou d'une plaquette à côté. Euh... Et vous allez connecter l'Arduino le... Uno d'une certaine façon pour euh, rejoindre les bonnes broches sur le microcontrôleur, vous allez rouler du code euh, dans l'Arduino Uno qui va transférer un fichier euh, sur le microcontrôleur. Ça existe déjà, je ne l'ai jamais fait, mais ça existe déjà, bien sûr. Mais je trouve que c'est se ce, ce fendre les cheveux, fendre les cheveux en quatre, comme on dit ici au Québec, euh, que de faire cela. Ils se vendent des petits programmeurs, dépendamment du microcontrôleur que vous voulez programmer. Ils se vendent des, des programmeurs, par exemple, pour les pics, ils se vendent des programmeurs à peu de frais, comme le K150. Euh, à moins de, je pense, que 6 ou 7 qui va faire très, très bien le travail. Donc, si vous voulez vraiment expérimenter tout ça, oui, ça existe. Vous pouvez le faire, je suis vraiment certain. D'accord? Euh, bon. peut tu faire des schémas expliqués? Bon, la question vient encore de Dominique Bourassa. Donc, encore une fois, euh, partir d'un schéma, puis de l'expliquer. Euh, quel schéma est-ce que je vais prendre euh, pour rendre ça intéressant? Euh, ah, c'est difficile comme, comme approche. Euh... Je pourrais faire bon, ben une série de vidéos, schémas expliqué. Puis là, je pourrais prendre peut-être un schéma. Puis une fois à tous, les, euh, à tous les mois, peut-être, je pourrais passer un schéma, un schéma en revue puis vous l'expliquer. Euh, peut-être, c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais euh, bon, ça pourrait être une façon. c'est Peut-être... Euh... C'est quelque chose qui pourrait peut-être se faire. Ça, ça. Mais il faudrait que je trouve les, les, les bons schémas. là puis euh, Je suis convaincu qu'il y en aurait beaucoup d'entre vous qui m'enverraient toutes sortes de schémas parce que vous, vous ne les comprenez pas et que vous voulez régler votre problème. Là. Ça pourrait à la rigueur faire aussi. Ce n'est pas nécessairement juste moi qui les choisir, choisirais. Là. Mais euh, ça pourrait être fait. Euh, quand une prochaine vidéo sur un projet comme la charge fictive? Ouais, c'est le projet de la charge fictive, ça a monopolisé beaucoup de mon temps. Et ça... Euh, ça a produit 18 vidéos en fait aussi, là, quand vous regardez la, le, la série au complet. Euh, le dernier projet que j'ai fait avait trois ou quatre vidéos. Ça, c'est des petits de projets qui sont plus faciles à faire. Mais ça demande plus de temps de ma part parce que je dois me consacrer sur un projet et euh, vous euh, développer la solution et la documenter pour faire une ou des vidéos avec. Donc. Euh, je ne veux pas créer des projets euh, pour lesquels je n'ai aucun besoin. Je veux créer un projet qui va me servir. Sinon, pour moi, c'est une perte de temps. Alors, quand, lorsque j'aurai un projet qui me vient en tête, j'en avais justement un projet ces derniers temps avec cette petite plaquette-là. C'est une application radio amateur, ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous. Par contre, le SI5351 qu'il y a dessus, ça, ça pourrait avoir de l'intérêt de façon générale. Donc, j'y reviendrai sur le SI5351, mais de, de décrire ce projet-ci. C'est trop axé sur la radio amateur. Ce n'est pas assez large. Il faut trouver un projet qui est assez large, qui va intéresser le plus de gens possible. Mais il y en aura au fur et à mesure que j'ai des projets à développer, bien sûr. Pas de problème, il y en aura. Donc, ben j'ai fait mon petit 15 minutes additionnel. Euh, oui, je suis pour les schémas expliqués. Euh, bon, OK, un autre qui vote pour ça. Existe-t-il des boîtiers pour le programmeur K150? Ah, bonne question! Pas certain, mais le meilleur endroit pour le trouver, c'est aller sur IB et taper euh, K150 espace euh, case C-A-S-E. Et vous allez voir tout de suite s'il existe. Sinon, ben certainement qu'il y en a qui vont pouvoir en imprimer un. Mais moi, mon K150, là, il m'a été livré sur des petites pattes comme ça. C'est ça, le programmeur K150. Et euh, ben moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de le mettre dans une boîte. Je le mets sur le dessus de ma, de ma table et. Je n'ai jamais fait de court-circuit ou quoi que ce soit. Je fais attention où je le mets, tout simplement. Quel type d'oscilloscope me recommandez-vous avec 700 euros de budget? 700 euros, ça commence à être un bon budget pour un oscilloscope. Euh, moi, je laisserais faire les Antec, puis les, euh, les O1, là, puis je tomberais dans la classe un petit peu meilleure, là, du style euh, euh, Rigol ou même Siglent. Euh, S-I-G-L-E-N-T, SIGLUNT, -E euh, font des bons oscilloscopes de plus en plus. Je prendrais un oscilloscope à 4 voix, euh, de peut-être 200-300 MHz. Euh, euh, je prendrais le plus que je peux pour euh, le 700 euros en question. Moi, c'est ce que je ferais. Euh, j'irai dans, dans RIGOL ou SIGLUNT pour ce, ces, ces, euh, ces budgets-là. Si vous avez plus de 1000 euros, ah, là, je vous laisserais faire, puis j'irai dans le... Keysight Agilent, Tektronix, euh, dans ces marques-là. Ici, c'est un Agilent, qui est le prédécesseur de Keysight, bien sûr. Là. Ça, c'est une machine qui se vendait dans les cinq chiffres. Okay? Puis maintenant, aujourd'hui, c'est une machine qui date de 2006-2007. Mais euh, ça, c'est le genre de machine euh, qui, même encore aujourd'hui, n'est pas démodée parce qu'à l'époque, c'était une machine haut de gamme. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est une machine milieu de gamme, si je peux dire. Mais ça, c'est le genre de cioscope, si vous avez un peu plus à mettre. Sinon, Siglint, rigole, J'irai dans ces marques. Alors, euh, bon, alors, je vais tirer une ligne à cette session. Euh, comment peut-on passer euh, notre certificat de radioamateur? Contactez des clubs radioamateurs locaux dans votre région. Alors, cherchez club radio -amateur radio radioamateur en un seul mot ou deux mots. Il y a plus d'une théorie là-dessus. Et vous allez en trouver certainement dans votre région, parce que des radiomateurs, il y en a partout dans le monde. Et ces gens-là, habituellement, vont pouvoir vous aiguiller et vont souvent aussi donner des cours pour ceux qui n'ont pas la capacité d'apprendre ou vont vous diriger sur des cours en ligne pour, par exemple, la France ou l'Europe, peu importe où vous êtes situé. OK, alors ça, c'est mon conseil. Un projet sur des alimentations en découpage. Je ne ferai pas d'alimentation en découpage moi-même. Je n'ai pas aucun intérêt là-dedans. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne par contre. Et les deux petites plaquettes, mini-plaquettes que j'ai achetées, une qui est le découpage abaissant, l'autre élevant au niveau des tensions de sortie, ça, je vais les décortiquer. Donc, je ne ferai pas un projet avec des transistors, puis tout construire ça moi-même, puis moi-même faire commuter le... Non, je n'ai pas d'intérêt là-dedans, malheureusement. Ça existe déjà, je ne vais pas le réinventer. Si s'il si y a de quoi, je vais utiliser une puce déjà existante ou je vais utiliser une plaquette toute faite. Pour moi, aliment les alimentations, c'est trop... Il euh, n'y a pas assez de défis, il n'y a pas assez d'intérêt pour moi de fabriquer une alimentation à découpage. J'aime autant fabriquer l'objet ou l'électronique qui va être branché sur une alimentation à découpage que l'alimentation elle-même. Un régulateur de tension, pour moi, c'est un régulateur de tension. Ah. On le met dans notre circuit, puis on passe à autre chose. C'est la même chose pour une alimentation à découpage. C'est comme ça que, que je vois. Euh, bon, alors, je vais tirer. Il y a des questions sur les multimètres, puis ainsi de suite. Bien sûr, on pourrait continuer, mais je ne suis pas particulièrement en forme aujourd'hui. Euh, la voix commence à m, me lâcher aussi, et euh, je me sens plus fatigué. Donc, je vais vous remercier beaucoup pour cette session, qui a été bien amusante, malgré mon état, malgré tout. Euh, J'espère que ça n'a pas trop paru. Et gardez vos questions sur les multimètres, on y reviendra à la prochaine session. Je, je compte euh, euh, faire des sessions euh, mensuelles. Donc euh, là, j'ai choisi comme la mi-du-mois mi en général, milieu du mois, comme étant euh, une période là, intéressante pour, euh, pour faire euh, ma session live. Et ça dure en, environ une heure, un peu plus si je si y a beaucoup de questions et que ça va bien. Donc, euh, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et euh, bien, euh, surveillez mes prochaines vidéos. Euh, si vous voulez savoir c'est quelles prochaines vidéos qui vont être publiées, tout ça, allez voir sur Facebook, allez sur electro-bidouilleur, tapez ça en haut, où vous allez trouver. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné pour me suivre sur Facebook si vous voulez consulter, mais bien sûr, pour recevoir des notifications, il so faut que vous soyez abonné à Facebook. Mais sinon, vous pouvez aller sur le site de Facebook ou bien même sur le site bidouilleur.ca où vous voyez mon fil. De publication euh, sur Facebook, à même mon site web bidouilleur.ca. Alors, euh, continuez de me suivre. Merci aussi de votre support, c'est très apprécié. Merci à l'avance. Je vous dis à la prochaine!